Mais ça veut dire, tiens, faire du pays de l'Aïba. D'ici là, n'ayez point peur, car il est parmi nous. Voilà, c'est fait. Oui. Enfin, techniquement, avant ce soir, pas encore. Non. Ça va? Ça n'a pas l'air d'aller. Non. Toi non plus. Quelqu'un veut un café? Pour la manière pas très correcte dont j'ai agi tout à l'heure. Enfin, voilà. Et je voulais demander pardon à tout le monde. Pardon à toi, Lazare, bien sûr. Et aussi pardon à Kate, si tu veux bien. Tu crois pas que t'as suffisamment attiré l'attention comme ça pour aujourd'hui? Quoi? Non, je te demande. Tu crois pas que tu pourrais m'en laisser un tout petit peu? Juste un tout petit peu? Chandel, non! Chandel! Chandel, lâche-moi! Chandel! Allez, joue, joue, joue! Salut!
C'est bon. Franchement, je sais pas trop ce que t'attends de cette conversation. On subit des épreuves. Et j'ai pas envie de te dire vas-y, ok, fais ce que t'as à faire. Mais d'un autre côté, je peux te le dire si c'est ça que t'as besoin d'entendre. Non. Non. Écoute, d'une certaine manière, je suis pas surpris. La tartine de pain, elle tombe toujours du côté où elle est beurrée. D'accord. Mais n'empêche, rien n'oblige à jeter tout le pot de confiture par-dessus. Ouais. Non, excuse-moi, j'ai rien compris. On sortait. Mais si, s'y attendait. Bah non, je crois pas, Yonick. Je veux dire Messi toute la journée. Mais arrête, Beaumont. Tout le monde s'y attendait. Bah, écoute, Yonick, tant mieux si tout le monde s'y attendait. Moi, non. Je pensais qu'il allait peut-être nommer Blutch, ou toi, ou peut-être moi. Ou peut-être Kurtzman, ouais, mais... Non, pas plus qu'un autre. Non, mais Kurtzman, c'est son chouchou. C'était évident qu'il allait le nommer. Il allait pas nommer Blutch. Ni toi, ni moi. Bah, j'en sais rien. J'en étais pas si sûr. Les bons auspices, c'est pour le mariage, notamment. Ouais. Pas que. Non, pas que, d'accord, Yonick. Mais c'est quand même pas complètement imbécile de ma part de penser qu'il allait choisir quelqu'un de pas encore marié. Moi, j'étais sûre qu'il allait choisir Kurtzman. 100%. Bah, tu vois, Yonick, comme quoi on est toujours le chouchou de quelqu'un. T'es mon chouchou, toi. Je sais pas que t'étais mon chouchou, moi. Oh, arrête, Chandel. Moi, je le savais déjà, mais j'attendais que tu t'en rendes compte par toi-même. Oh.
Salut, la compagnie. Alors les loulous, c'est comme ça qu'on bosse ? Bonjour, bonjour. Mauriac. Monsieur le marié, grand Manitou. Salut Wagner. Pas mal ce petit coin que t'as trouvé là. T'as acheté ? Il veut peut-être voir quelque chose ? Non, je ne crois pas, jamais. Ah ? Ah bon. Bonjour. On t'a pas appris à dire bonjour ? Répète. Bonjour, Wagner. Bien, je vais bien. Il n'est pas là, Pat ? Il vient pas saluer les vieux copains ? Je l'ai vu à la fenêtre tout à l'heure, je vais le chercher. Bon alors ? On fait la fête ou on fait pas la fête ? Hein ? Mais c'est pas de... Oh, je esgale. J'ai envie qu'il glisse sur le bord de la piscine et qu'il se défonce le crâne. Coup du lapin, tête sur margelle, boum, ça le calmera 2 minutes. J'ai pas osé monter dans la chambre des garçons. J'y vais. Pour Nathan, appelle-le. Dis-lui que je lui téléphone avant 18h, promis. Thank you.
peut-être qu'il y a un certain point de vérité entre vous. Peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose comme... un secret. Que je ne comprends pas encore. Si maintenant, sincèrement, vous me dites qu'il y a quelque chose là, qui est dans le chemin, bon. Moi, je ne veux pas me mettre en travers des choses. Si c'est une histoire de fesses, alors là, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dans le chemin, juste. Qui je suis pour m'opposer à ça? Je ne suis rien du tout. De fruits. Je vais avoir du mal. Moi, je ne veux m'imposer à personne. Un jour, c'était dans les derniers temps à l'hôpital, une infirmière est venue me trouver et elle m'a dit « Frère Simon veut vous voir absolument, seul. » Bon, c'était peut-être 3 ou 4 jours avant la fin. Je crois que Mathathias était dans une grande négociation avec Adélaïde pour le faire sortir de l'hôpital ou quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Bref. Les gens étaient occupés je ne sais où et finalement il n'y avait presque personne. Moi, Pat, quelques intimes, Lina. Mauriac? Oui, Mauriac, probablement. Dritchisienia. Ben, c'était le médecin, quoi. Oui, voilà. Bref, on entre dans la chambre et là, il nous montre avec son doigt, comme ça. Il se met à crier, brigand! Brigand! Comme ça, pendant... peut-être 15 minutes, crier que j'essayais de lui voler son argent, qu'on voulait le tuer, l'empoisonner, je ne sais pas quoi. Bon, j'étais habitué, hein. C'était comme ça très souvent. Finalement, à la fin, il me demande « Toi, le prétentieux, toujours le mot qui t'épingle sur le mur comme ça, comme un papillon, sur le mur. » Encore là, ça allait. Hein. D'habitude, il me surnommait « Bonus Malus ». C'était mon surnom. Et moi, c'était la métastase. Bonus malus et sa métastase. T'imagines le tableau? Tout le monde avait un surnom. Personne n'entre. Interdiction d'entrée. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Viens ici! Clochette! Clochette, viens! Il est trop con, lui. Bien sûr, que les honneurs m'intéressent. Cette fête, pour mon mariage, célébrée comme ça, comme le cheikh, maître du harem. Comme un empereur. Mais avant les honneurs, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être dans le chemin juste. Que les choses soient justes. C'est tout ce que je veux. Moi, je te le dis, Kate. Je suis là. Si tu veux... ma maison t'est grande ouverte. Peu importe ce qui s'est passé. Ou pas. Passé.
Sache que ça ne sortira pas de cette pièce. Je le dis aussi pour toi. Et je sais une chose, Kate. Que tous ceux qui sont dans cette maison t'attendent et qu'ils t'accueilleront à bras ouverts si c'est ce que tu désires. Bien sûr. Les femmes et les enfants. Les enfants t'adorent. Calmos, les gars. Salut, les gars. Vous avez vos cartons d'invitation, j'espère. Laisse passer, Starbucks, je te préviens. Oh merde, alors. Putain, tu me préviens. Mais c'est quoi, une putain de descente de police? T'as un putain de mandat? Non, doucement, doucement. Y'a rien qui passe, malgré, c'est surtout pas de ta largeur. Je te prends quand tu veux. Tu le sais bien. Seulement là, je suis pas venu pour ça. Alors retourne cuver ta bière et laisse passer. On vient en paix, Starbucks. On a amené à boire. On veut juste présenter nos voeux aux mariés, pas d'embrouille. Pas d'embrouille? Attends, Géliane, laisse-moi comprendre. Vous avez fait toute la route pour venir jusqu'ici sans même avoir été invité pour nous dire que vous voulez pas d'embrouille? Non mais vous foutez de nous en plus? On est invité, Starbucks. Ah ouais? Eh ben c'est encore plus con pour toi parce que c'est moi qui fais le service d'ordre. Et ta sale gueule, j'en veux pas, ma foi. Non, ah, mais comment si? Olé, olé. Mais Philippe, putain, on est en plein mariage là, non mais déconnez pas, merde. Bon, écoute le petit, je sais pas qui t'es, mais t'as l'air d'être un peu moins con que tes deux copains. Alors je vais t'expliquer la situation telle que je la vois. Et je vais pas commencer à entrer dans les détails de qui a raison, qui a tort, de qui a commencé le premier ou ce genre de conneries. Parce que vous et nous, c'est le putain Moyen-Orient, d'accord? Tu peux me rappeler ton nom? Pas Beaumont. Geneva, dis bonjour à Beaumont. Bonjour à Beaumont. Beaumont, je te présente ma copine, Geneva. Si tout se passe comme prévu, tous les deux, vous allez avoir tout le temps de faire connaissance plus tard. Mais pour l'instant, vous êtes mes envoyés diplomatiques. Un de chaque camp, pas de jaloux. Maintenant, mes chéris, tout ce que je vous demande, c'est d'entrer là-dedans, de trouver Lina, et de la ramener ici le plus vite et le plus calmement possible. Vous croyez que vous pouvez faire ça pour moi? Ouais, je crois. Super, Beaumont. Bon esprit d'initiative, j'apprécie beaucoup. Go, les enfants. Je compte sur vous. Faites-nous entrer là-dedans, qu'on en finisse. Salut, Cheyenne. Ouais. Salut, Starbuck. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Vous savez, ça, c'est Samuel. Tu vois, je peux même pas te rendre l'appareil. Salut, Akab. Geneva, viens ici. Regarde là. J'ai vu naître cette fille. Pour le sceau sacré. Oh, incroyable. Justement, le jour où Mauriac avait cassé la nôtre. Incroyable. Vous avez des informateurs, on dirait. Tu as les félicitations de Matathias. Ah, le fakir. Excellent. Excellent. Regarde, qui vient là? Qui vient encore foutre le bordel? Alors, la métastase, on n'embrasse pas la famille? Ça réunit, c'est presque un miracle. Oh, tu parles d'un miracle. Ouais, dans une heure, on sera déjà foutus sur la gueule. Ton fils n'est pas là? Non, il est à l'arbre. Oh là, lourde responsabilité. Pardon, ça fait deux fois que j'entends ça. C'est quoi l'arbre? L'arbre? Oh, mais t'y es jamais allé. Oh, c'est magnifique. Tu devrais y aller, Roman, surtout toi, ça te plairait tellement. Mais l'arbre, c'est le premier des neuf sites. Les neuf tombeaux du prophète. Ah, je crois que personne savait où il était enterré. Tout le monde sait que les sept savent.
Tout le monde sait que les sept savent. Non, pardon, je suis désolé, je comprends pas un mot de ce que vous dites. Frère Simon a demandé aux sept de ne pas révéler l'endroit exact. Mais les sept savent. Tout le monde sait ça. Ah, les sept savent. Je comprenais pas. C'est pourtant pas très compliqué. Oui, mais ce sont pas des tombeaux à proprement parler. C'est plutôt les neuf endroits où est contenu l'esprit. De frère Simon. L'esprit de frère Simon. Il a pas pu t'appeler, ouais, il a eu... Enfin bon, il y a eu un contretemps. Non, commence pas maintenant. Écoute, tu te postes devant l'arbre. Oui, je reste en lit. Par la petite cérémonie, vous vous êtes liés d'un lien matériel. La petite cérémonie est la cérémonie du temple du corps. Ce temple est symbolique. La seconde cérémonie est la cérémonie du temple de l'âme. Ce temple est mystique. Moi qui suis gardienne du sceau sacré, union du corps et de l'âme. Je te libère ce soir, frère Lazare. Ainsi que toute ta maison. Je te libère ce soir, Kate, renommée sœur Kalit, en cette cérémonie mystique du sceau sacré, temple de l'âme. Il faut qu'on parle. Maintenant ? Oui. Tu ne veux pas que nous en discutions tranquillement une autre fois ? Non, je crois pas. Je suis un peu au milieu de quelque chose. Il faut qu'on parle. D'accord, Lina. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle ? Aaron. Est-ce que tu peux me marier, Lina, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux couper cette ficelle, maintenant ? Je peux pas faire ça, Lazare. Coupe les liens, Lina. Lina, le sceau est sacré. Tu es sa gardienne. Ne le fais pas si tu ne veux pas le faire. Tu crois que tu vas venir dans ma maison pour donner des ordres ? Ce n'est pas moi qui viens de nommer Aaron. Coupe cette ficelle, Lina, je t'en supplie. Je suis désolée, je peux pas. Sors d'ici. Va-t'en ! Je n'ai rien à te dire, j'ai rien à te dire !
Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be. Finalement, il y avait presque personne. Mauriac, une dizaine de personnes, ceux qu'on connaît, quoi. Bah, toujours les mêmes. Moi, au moins, il y aura eu du monde. C'est juste qu'il n'y aura pas eu de mariage, c'est con. Ben non, t'inquiète pas, ça sera ton tour aussi. Faut dire que ta sœur, elle a vraiment eu du sang-froid de s'affirmer comme ça en terrain ennemi. Fallait quand même le faire. Hein. Ben ouais, c'est la famille, quoi. Moi, le jour de mon mariage, ça a été horrible. Horrible. Plein milieu de l'après-midi, je me suis mise à avoir une envie de pisser terrible, insupportable. Mais c'est vrai! Mais on sait que c'est vrai, Jeanne. Je voulais aller aux toilettes, mais je pouvais pas à cause de mes liens. Mais c'est pas drôle! J'ai dû dénouer mes liens et après, je les ai renoués. J'ai jamais dit à personne. Et oh, t'inquiète pas. Ça porte malheur. Non, regarde-moi, j'ai pas dénoué mes liens et on peut pas dire que ça m'a vraiment porté chance non plus. Hein. Et tu crois que ça m'a porté chance à moi? Bah ouais, tu t'es mariée avec Lazare. T'as bien vu ce que ça donne, non? Allez, qui je ressors? Allez. Wow. Allez. Il ne veut pas sortir de la voiture. À cab. Impossible de le faire sortir de la voiture. Je reste dans la voiture, je suis très bien comme ça. Tous les deux, vous allez finir par me faire virer complètement folle. Hein. D'accord. Alors, très bien. D'accord. Starduck, c'est ça ? Je suis têtue, moi aussi. Je peux être têtue. Je peux être très têtue, moi aussi, je vous préviens. Jouez la 6. Dix mètres pour vous rabibocher et vous deux avec votre petite guéguerre. Je reste dans la voiture. Starduck, regardez-moi. Et Cheyenne, on n'en parle même pas. Comme je ne l'ai jamais vue en 31 ans. Et cette fille que je ne connaissais pas, j'arrive même pas à imaginer le plus beau jour de sa vie et fuite le mariage envolé. Raté. Tu connais... tu sais les... ressorts de camions, les gros ressorts plats en acier. On les récupérait ensemble, mon père et moi. On faisait ça la nuit, on n'avait pas un rond. Et on s'en faisait des couteaux qu'on forgeait. Mon père, il savait forger, il forgeait même sacrément bien à l'époque. Maintenant, il me fait juste chier. T'es un vieux con. Il a perdu la boule. C'est devenu encore pire depuis que le chien est mort.
se marie. On aurait une maison, ce genre de truc. Cet enfoiré, il a mis un coup dans une portière de camion, juste un coup du bras, comme ça, à vous. La ferraille à l'air. Et le couteau, rien. Nickel, pas un tête. Tu vas où? Hé, hey, Starbucks! Tu vas où? Je vais à Paris. C'est pas par là, Paris. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que... C'est la première fois que j'ai besoin de tracer. Faut que je trace loin de tout ça. Et je veux pas me la jouer ionique. Je veux remettre ma vie en cause et tout ça, quoi, mais... Je veux tracer un peu plus loin et faire un truc... je sais pas, un truc qui change tout. Qu'est-ce qui t'en empêche? Viens, on prend la voiture, on s'en va. Quoi, maintenant? Pourquoi pas? On va se faire défoncer. Par qui? Bah, à ton avis. Il nous dirait quoi? Bah, qu'on est des grosses merdes. Venant de la part de quelqu'un qui vient de se faire refouler à son propre mariage? Devant tout le monde, par la fille du prophète. Bon, je vais te dire, il n'est pas vraiment en mesure de donner des leçons. T'es pas complètement fou, ouais. En même temps, je sais pas, c'est peut-être le moment de lui montrer qu'on peut être là pour lui. C'est peut-être le moment de montrer qu'on peut se responsabiliser par nous-mêmes. Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est peut-être pas faux, ouais. Tu es sûr que ça va aller? Ça va aller. C'est juste un saut, on se voit dans 2 jours. Et on parle? Ouais, on parle. Ça marche. Fais ce que tu as à faire et reviens-nous vite. Dans 2 jours. Bien. Écoute, Lina, si tu veux, on peut parler maintenant. Non. C'est trop confus. Il y a trop de gens. Il y a trop de tout. Je préfère qu'on prenne vraiment le temps. Bien. Mais n'écoute pas toutes les conneries du fakir. Il y a beaucoup à acheter. Prends soin de toi. Attention à la route. Bonus malus. Thank you.
préviens, on a un compte à régler. Lazare, est-ce que t'as vu Pat? Non, il doit être en train de... Non, je sais où il est, mais je veux dire, est-ce que vous avez parlé? On a passé la matinée à faire que ça. Non, mais depuis? Depuis, figure-toi, j'ai eu franchement d'autres choses à penser. Bon, il m'a transmis ce mot pour toi. De bon. Non. Il reviendra. Je crois pas. Lazare.